voulons que Jésus soit notre ami. Combien aime le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous tous que Jésus soit notre ami. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Luc. Tokotanga na mokanda na Luka. 17. Zomi na sambo. Luc 17, 28 à 30. Luca, Zomina Sambo, Tukumi Balena Mwambe, Kino, Tukumi Satu. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Lisusu, pelamoko na mikolo na lota, baliaki, bamelaki, basombaki, batekaki, bakonaki, batongaki bandaku. Nde na mokolo elongwaki Lota na Sodomo, moto na sufulu na likolo enokaki mpe ebomaki bango nyonso. 30. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Ekozala pe ndenge moko na mokolo oyo mwana na moto akomonana. Prions le Seigneur. Tobonde na kolo. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Nous voulons parler d'une chose très grande, Seigneur. Tolingi kosolola likona likambo moko ya monene penza kolo. Nous avons besoin de toi pour nous conduire, Jésus. Tozali na bosenga na yo poyo kamba biso Yesu. Nous sommes des hommes. Tozali bato. On peut mal comprendre. Tokoki mba musuko sosola mabe. Aide-nous Jésus. Sunga biso Yesu. À transmettre ce que tu es en train de faire dans ton église aujourd'hui. Ete tokoka kopesa oyoyo ozali kosala kadna ecclesia na yo lelo. Bénis les écritures que nous venons de lire. Pambola makomi touti kotanga. Bénis le peuple qui l'a entendu. Pambola bato oyo bayoki yango. Aide-nous Seigneur. Sunga bisonko. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Kozanga yo tokoki kosala eloko moko malamu te. Nous abandonnons entre tes mains. Tomitiki na maboko na yo. Parle-nous, enseigne-nous. Lobela biso, lakisa biso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. J'avais pensé sur quoi je devais prêcher aujourd'hui. Na zalaki koluka likolo na nini na kokaki kote ya lelo. Alors le frère, d'ailleurs il n'est pas là, le pasteur Metouchela m'a dit,
Si tu peux parler un peu sur le Fils de l'homme. Nde mokengeli metu alobelaki ngai te soki okoki kosolola mwa moke likolo na mwana na moto. C'est un enseignement compliqué. Ezali malakisi moko penza ya pokoso. Et les gens le prennent souvent dans l'erreur. Pe bato bazwaka yango mingi na ngambo ya mabe. Mais ils ont quelques citations du prophète William Branham. Kasi bazala kanamwa biteni na sango ya ndeko Branham. Et ils vont à gauche. Et okomona bazingambo ya mwasi. Ils disent que le frère Branham est le fils de l'homme. Et pe babandi kolobete ndeko Branham azali mwana na moto. Et d'autres qui vont à droite. Et ba mosusu bakenda ngambo ya mobali. Et il rejette le prophète William Branham. Pe bazako boya mosakoli William Branham. Mais nous devons vous dire la vérité. Kasi esengeli tolobela bino solo. Il y a même des personnes à partir de cet enseignement. Yaliko na bato mosusu kaka ko uta na malakisi oyo. Croit que frère Branham est Jésus-Christ. Bango bakomi kondimete ndeko Branham azali Yesu Kristo. Je crois que vous le savez. Nakanisi boyebi yango. Je ne vous apprends rien. Nazali ko laksabine loko moko sikate. Vous le savez. Boyebi yango. Mais je pense que Dieu m'a aidé à connaître cet enseignement sur le Fils de l'homme. Kasi nabanziete Nzambe nde atsunginga ete nasoso amalakisio likolo ya mwana na moto. Et si je n'étais pas sûr, je ne vous parlerai pas là-dessus. Mpeso kinaye bakalika mango penza na ndenge ya solo te na kokaki kolobela bino likolo na yango te. Je ne voudrais pas vous perdre. Na kosepela te ete na bungisa bino. Et je ne voudrais pas moi-même me perdre. Et na kosepela pete ete ngai moko na bunga. Je voudrais aujourd'hui enseigner sur la manifestation du Fils de l'homme. Nalingete lelo na koka kolakisa malakisi likolo ya mwana penza na moto. Je voudrais aller lentement, lentement et terminer le dimanche. Nalingi nakenda nango malembe malembe pe moko na yinga na silisa. Je crois que vous allez prier pour moi. Nanimiete bino bokobonde na pona ngai. Ah oui, parce que ce n'est pas facile. Iyo po ezali penza pedete. Il a dit ici. Alobia waboye. Il a dit là-bas. Kuna alobiboye. Il faut réunir tout ça. Esengeli kosangisa nyonso wana. Ressortir la vérité. Po nakoyeba kobimisa solo. Sur la manifestation des fils de l'homme. Likolo ya komonisama na mwana na moto penza. Il y a une promesse que Dieu a donnée. Elaka moko ezali o Nzambe apesa. À l'âge de l'Odyssée, na eleko na Laodikia, la manifestation du Fils de l'homme. Komonisama na mwana na moto. C'est une très grande promesse. Ezali elaka moko monene penza koleka. Qui doit s'accomplir au dernier âge de l'Église. Oyo etindami kokokisama na eleko ya suka ya ecclesia. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boyi. Dans appeler Jésus sur la scène. Nalite ya kobenga Yesu na mosala. Prêché le 19 mars 1964. Etami kolozomi na libwa sanza misato na mobutu ngotoba na mine. Une année avant sa mort. Ezali mbula moko liboso na liwana yi. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible. Ezalina bilaka mosusu kati na Biblia te. Au-dessus de cela. Likolo na yango. C'est une promesse suprême. Ezali elako ezali likolo na nyos. Et il dit combien savent cela? Balobi batoboni bayebi yango. C'est la dernière chose. Yango nde eloko ya suka. Pour l'âge de l'Église. Bona Eleko bileko ya ecclesia. Quoi? Nini? La manifestation du Fils de l'homme. Komonisama ya mwana na moto.
C'est une promesse suprême pour l'église du temps de la fin. Ezali elaka moko oyo eleki nyonso pona eklezi ya tango na suka. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible au-dessus de la manifestation du Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez au prophète? Donc, ça doit être bien compris. Une si grande chose que Dieu donne à l'église du temps de la fin. Si vous ne comprenez pas ça bien, alors c'est fini pour vous. Pour que vous soyez bénis, vous devez très bien comprendre cela. Je crois que vous me suivez. Alors c'est quoi? La manifestation du Fils de l'homme, c'est quoi? C'est Elohim. Dieu. Nzambe. Qui doit se manifester dans la chair humaine. Oyo asengeli komonisama na kati na nzoto na moto. Faisons des miracles comme Jésus l'avait fait quand il était venu sur la terre. Kosala makamu ici. Ndenge Yesu asalaka yango tango ayaka na mokili. Amen. Amen. Et cela doit nous donner la foi. Amen. 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 Cela doit amener l'épouse à la perfection. Sans la manifestation du Fils de l'homme, l'épouse de Jésus-Christ n'atteindra jamais la perfection. Pour atteindre la perfection, il faut que le Fils de l'homme se manifeste. Écoutons un peu le prophète. Donc Dieu est son propre interprète. Du 5 février 1965. L'année même de sa mort. Alors vous avez dit, il n'a pas bien compris cela. Bongo, yo kolobete asoso kengo malamu te. C'est vous qui ne comprenez pas alors. Yonde uzali kososo la ngote. Il dit ceci. Alobi boui. Il était Elohim. Azalaki Elohim. Manifesté dans la chair humaine. Oya moni samaki kat na nzoto na moto. Mangeant de la nourriture humaine. Kolia bilei na bato. Amen. Amen. Il était Elohim. Azalaki Elohim. Un signe que dans les derniers jours, Dieu apparaîtrait de nouveau dans la chair humaine. Au milieu de son peuple. Jésus a dit, yes, alobaki, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Bino pe boko sala yango. Et comme il en était au jour de Sodome, e mpela moko ezalaka na mikona Sodome, ainsi en sera-t-il e kozala pe bongo. Au jour du Fils de l'homme. Na mikolo ya mwana na moto. Cela n'a pas besoin d'interprétation. Cela nécessite une manifestation. Yango ezali kosenga bobele na komonisama. Dieu est son propre interprète. Nzambe azali molimboli na ye moko. Amen. Paragraphe 95. Etena sango tuku libwana mitano. Et ici, il commence à nous interpréter cela. Elohim était manifesté là-bas dans la chair humaine. Dans Genèse 18. Amen. Alors il dit, Dieu apparaîtrait de nouveau dans la chair humaine au milieu du peuple. Là-bas, c'était un signe. Pour montrer qu'un jour Dieu ferait la même chose. À l'âge de l'Odyssée. À la fin des temps.
Et alors il ajoute, comme il en était au jour de Sodome. Ndabakisi ete ndenge ezalaka na mikona Sodome. Il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme. Ekozala pe bongo na mikolo ya mwana na moto. Mais il ajoute ici Jean 14, 12. Kasi abakisi ete Yohane zomi na mine, zomi na mibale. Jésus a dit, yes, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Bino pe boko sala yango. Vous êtes avec moi? Il parle de Luc 17:30. Ici, il ne touche même pas le discernement des pensées. Il va dans les œuvres que Dieu fera. Pour montrer qu'aucun homme ne peut le faire. Quand vous voyez ces œuvres-là, sachez que c'est Dieu qui agit au mieux. Quelqu'un peut dire amen. Donc Elohim se manifestera dans la chair humaine. Vous le croyez? Selon Luc 17:30. Dieu habitera dans son église. La chair humaine. Et il se manifestera lui-même. Moi je crois à cela. Est-ce que vous aussi vous croyez? Amen. Quand une écriture s'accomplit, quand une prophétie s'accomplit, l'interprète, c'est le prophète. Pas vous, pas moi. L'interprète, c'est le prophète. Nous devons écouter le prophète pour savoir que cette écriture ici s'accomplit. Et nous devons écouter le prophète pour savoir comment cette écriture est en train de s'accomplir. Vous m'avez bien compris, je crois. Allons-y lentement, lentement. Comment ça va se faire? Nous sommes passés par la justification. Tolekani na kolongi sama na masumu. C'était une partie. Ezalaki eteni moko. De Dieu en nous. Ya nzambe kati na biso. La justification. Kolongi sama na masumu. Avec Luther. Na Luther. Avec les protestants. Na bamisioni. Mon juste vivra par la foi. Moyenge bene na ngai akobika na nzela kondima. Est-ce que c'était pour Luther seul? C'était pour l'âge. Ezalaki mpona eleko. Qui a dit l'âge ici? Na lobi eleko. 10/10. Osui somi likona zomi. La justification n'était pas seulement pour Luther. Kolongi sama na masumu ezalaki mpona Luther ye moko te. Mais pour l'âge. Kasi ezalaki mpona eleko. Mais celui qui était visible. Kasi motoyo amonanaki. Quand on parle de la justification, tango bazoba na tina kolongi sama na. C'est qui? Ezalani. C'est Luther. Ezali Luther. Je commence à devenir un bon professeur. Na bandi kokoma peza motei mala. Et ma classe me suit très bien. Na moni kelasi nanga bazola nangai kitoko. Félicitations. Na pesi bino longonya. Et quand nous passons à la sanctification, pe tango toleki na kobulisama. Est-ce que c'était pour Wesley seul? Ezalaki ka pona Wesley yemoko? C'est lui seul qui était sanctifié? Yemoko ndabulisama ki? Ah oui. Ah. Quand on parle de la sanctification, tango balobi na tina kobulisama. On voit John Wesley. John Wesley. Mais tous ceux qui l'ont suivi étaient sanctifiés. Et après la sanctification, vient le baptême du Saint-Esprit. Par qui? Par les pentecôtistes. C'était un noir américain. Est-ce que c'est seulement lui qui était baptisé du Saint-Esprit? Non. Les gens de Azusa, Batona Azusa, le réveil d'Azusa, Kolamukana Azusa, mais ça s'est répandu
dans l'âge. Et nous avons les pentecôtistes ici. Et ils ont des dons spirituels. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et nous entrons dans l'âge de l'Odyssée. Qu'est-ce que Dieu va manifester à l'âge de l'Odyssée? La manifestation du Fils de l'homme. Ça sera pour une seule personne. Je ne crois pas. Ça sera pour l'âge. Je vous donne 20 sur 10. Frère Branham dit ceci. Dans l'alliance de la grâce d'Abraham, prêchez le 17 mars 61. Et l'homme, Dieu habitant dans la chair. L'homme, avec son dos tourné à la tente, dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Alobaki, pour nanini sala aseki. Disant dans son cœur, que cela ne peut pas être ainsi. Il dit ce que Sarah faisait et ce que Sarah pensait dans son cœur. Quand elle rit en elle-même, Frère Branham vous pose la question, est-ce vrai? Ah oui. Qu'était-ce? Juste un petit peu avant la destruction. Elle a dit moi moqué liboso na libebi na ekokakoya. Il est en train de faire la même chose à la semence d'Abraham. Pe azali kosala ndenge moko na momboto na Abraham. Et ils ne le reconnaissent pas, frère. Bazali. Pe bango bazali koyeba yango te. Amen. Il dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, bososoli, oyo ngai na lingi koloba. Justification. Kolongi sama. Sanctification. Kobuli sama. Baptême du Saint-Esprit. Libatisi ya molimo santo. Le placement du Fils. Botiami na mwana nesika. L'héritier. Mosangoli libula. Dieu. Nzambe. Habitant dans son église. Kopika. La chair humaine, mangeant, vivant, comme les hommes, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habitant dans les fils d'Abraham, manifestant la même chose que Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Le saisissez-vous? Je ne fais que lire. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il n'a même pas cité les Luther et consorts. Il a dit justification, sanctification. Alors qu'il est en train de parler de Luc 17:30. Est-ce que c'est clair? Il est parlé de la semence d'Abraham. Il est en train de parler de la semence d'Abraham. Qui avait vu Dieu. Qui a discerné les pensées de celui, celle qui était derrière la tente. Alors, quelle explication nous pouvons donner? Nous n'avons pas besoin de votre interprétation. Lui-même prend ce qui s'était passé dans Sodome. Il parle de ce qui s'était passé
avec Abraham et son épouse Sarah. Il parle de ce qui s'était passé à la chaîne de Mamré. Il dit Dieu est en train de faire la même chose aujourd'hui. Justification. Sanctification, baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est le placement du Fils. L'héritier. Dieu habitant dans son église. Il a dit Dieu habitant seulement d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans son église, hein, la chair humaine, mangeant, buvant, comme les hommes, le Saint-Esprit. Il appelle ce Dieu-là le Saint-Esprit. Dieu lui-même, habitant dans les fils d'Abraham au pluriel. Manifestant la même chose que Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Et il vous pose la question, le saisissez-vous? Je veux vous donner la citation encore. L'alliance de la grâce d'Abraham. Paragraphe 65. Paragraphe 65. Il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui ont le monopole de la vérité. Quand ils lisent une citation, nous devons croire. Quand nous lisons, non, ils ne croient pas. Ah, Jésus, on était avec un frère au Gabon. Voilà à Libreville. Na Gabon. Et on causait avec un frère européen blanc. Tala iko solana ndeko moko mundele autaki na poto. Alors, quand ce frère l'a donné les citations, tango ndeko mbalona aza kopesa bitena sango. Nous on croyait. Mais quand nous donnons, non, lui rejette catégoriquement. Ah, il sort une citation pour contredire ça. Et le frère lui dira ceci. Frère, ne pense pas parce que tu as la peau blanche, hein, que tu es supérieur à nous. Avant que tu viennes ici, nous avions des blancs ici. Nos albinos. Ça ne suffit pas parce qu'il est albinos. Il doit connaître plus que nous. Ils étaient nos blancs ici. J'ai vu que le frère était fâché. Frère, quand on vous présente une écriture de la Bible, croyez. C'est cela qui fait notre force. Nous croyons. Et nous déplaçons notre erreur. Et nous allons de l'avant. Quand on vous montre le message de Frère Branham, croyez, enlevez l'incrédulité, avancez. Amen. C'est pour ça que nous mettons toujours une virgule. Virgule. Amen. Amen. Dieu habitera dans son église. La chair humaine. Nzoto na moto. Oh là là. Ça vous fait du bien? Et ça vino malamo. Moi ça me fait du bien. Ngai ezo sangai malamo.
La justification, c'était bien. Déjà, on laissait le péché. Mais la sanctification, c'est mieux. Les gens qui étaient justifiés sont sans péché maintenant. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est mieux. Ils sont dans un échelon plus élevé. Mais aujourd'hui, pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Pour que nous puissions continuellement manifester Dieu. Aujourd'hui, c'est plus grand. C'est exactement comme si c'était Jésus lui-même. Je ne vous flatte pas. Je vous dis la vérité. Prenez ce que je vous prêche au sérieux. Vous verrez comment Jésus se manifestera dans votre vie. Ce que Dieu vous donne comme Saint-Esprit dans cet âge est très grand. Vous permettez que je lise encore. Le Dieu immuable. Paragraphe 157. Sango Mokama na Tukumotoba na Sambo. Prêché en 1962. Etami na Mobu Tukumotoba na Mibali. Maintenant, souvenez-vous-en. Sikoyo Bomi Kanisela Yango. Jésus a dit. Yesu alobaki. Comme il était au jour de Sodome. Ndenge ezalaka na mikolo na Sodome. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ekozala pe bongo na boyei na mwana na moto. Qu'est-ce? Ezali nini? C'est Dieu. Yali Nzam. Le Saint-Esprit. Moli momo santu. Habitant au milieu de la chair humaine. Kopika na kati na nzoto na moto. Dans des vases sanctifiés. Katina bambeki oyo ebulisami. Que le sang du Fils de Dieu a purifié. Oyo makila ya mwana na nzambe epetoli. Par la foi. Na nzela na kondima. Et Dieu habitant dans ces vases. Pe nzambe kopika na katina bambeki wana. Accomplissant et continuant. Koko kisaka. Les œuvres de Jésus. Namisala ya Yesu. Faisant de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kosalete azala ndenge moko lobieleki lelope libela na libela. Amen. Amen. Comme il était au jour de Sodome. Ndenge zaka na mikolo Sodome. Donc il parle de Luc 17 30. Et par la suite, Benasima. C'est le Saint-Esprit. Ezali moni mosala. Quand il dit Dieu, on va croire quelqu'un d'autre. Frère, ndeko. Celui qui était venu là à Sodome, avant Sodome et Gomorrhe. Oyo ayaka kuna liboso na Sodome pe Gomorrhe. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Ezaka moni mosala tout est. Je ne sais pas si vous me comprenez. Na yebite soki bali ko sosola. C'était l'Esprit de Dieu. Ezaka moni mona nzambe. Qui est entré dans un seul homme. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est que nous sommes dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Vous êtes avec moi? Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il entre dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On n'a pas dit l'esprit Elohim qui était venu là-bas était dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Non. Non. C'était Dieu lui-même. Il a pris une motte de chair. Et il est entré à l'intérieur. Mais ici, pour que Dieu manifeste Luc 17:30, vous devez premièrement recevoir le baptême du
Saint-Esprit. C'est là où se trouvent les dons de Dieu. Alors quand vous entrez à l'intérieur, et Dieu se manifestera à travers les dons. Frère Barou, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais les gars, c'est un peu comme ça. Oui, oui. C'est un peu. C'est la montre que Frère Banam n'avait pas toute la plénitude de Dieu. Mais il avait ce travail-là de manifester le Fils de l'homme en public. Moi, je n'ai pas ce travail. C'est son travail. Mais moi et vous, vous devez manifester Dieu. Parce que Dieu est à l'intérieur de son église. Se manifestant lui-même. Apocalypse 10. Luc 17, 30. Jean 14, 12. Hébreux combien encore? 13, 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Dieu est tenté d'ouvrir votre intelligence? Je ne fais que lire. Nazali Bobele Kotanga. Frère Banam, est-ce que c'est toi le Fils de l'homme? Yo, benza, nde mwana yango na moto. Ce n'est pas le messager qui est le Fils de l'homme. Motin na mina za mwana moto te. Non. Te. Le Fils de l'homme, c'est Dieu. Mwana na moto eza nzambe. Le messager n'est pas notre Dieu. Motin na mi aza nzambe na biso te. Si vous avez compris, dites amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme? Moi, Nanamoto, Ezali Nim. Le Fils de l'homme, c'est le prophète Dieu. Moi, Nanamoto, Ezali Mosakoli Nzambe. Je crois que vous le savez. Nagasi boye biango. Oh. J'arriverai à ça. Je pose la question. Si on a zotuna motuna. Frère Banam. Ndeko Banam. C'est toi le messager. Yonde motin namiti. Est-ce que tu es le Fils de l'homme? Ozali pesa mwana yango na moto. Écoutez la réponse de Frère Banam. Yoka eyano yandeko Banam. Ce n'est pas que l'ange est le Fils de l'homme. Ezali te ete mwange azali mwana yango na moto. Mais le messager kasi motindami révèle le Fils de l'homme. Azali komonisa mwana yango na moto. Pouvez-vous le séparer maintenant? Bokoki siko kosala bokeseni kati na yango. C'est là que cela semble si dur pour vous. Voyez-vous? Ce n'est pas le Fils de l'homme lui-même. Mais le septième ange. Le septième messager. Révèle le Fils de l'homme au public. Parce que cela laisse livrer de côté. Vous ne pouvez pas l'organiser. C'est de nouveau du grain. Vous voulez savoir là où il a dit ça? Oh là là. Luc 17:30. C'est les joints du temps de la fin. Paragraphe 260. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas que l'ange soit le Fils de l'homme. Tu deviens le Fils de l'homme, il devient Jésus. Ce qui a commis moi na moto, a commis Jésus. Le messager est ton Fils de l'homme.
Motindami azali mwana moko ya moto. Un fils de l'homme, c'est un prophète. Mwana moko ya moto azali mosakoli. Dieu a appelé le prophète dans l'Ancien Testament fils de l'homme. Na kondimana na kala nzambe abengaki basakoli bana na bato. Oui. Un fils de l'homme. Mwana moko na moto. Il a dit fils de l'homme. Abi mwana moto. C'est Ézéchiel. Ézéchiel 2:1. Yami balé. Le fils de l'homme. Et de mwana moto. Tiens-toi sur tes pieds. Tellement na makolo. Il a appelé aussi Daniel, Daniel 8:13, fils de l'homme. Na Daniel ba bengi. Mwana na moto. La vision te concerne. Et mon eneli oyo ezana tina na yo. Le fils de l'homme, c'était le prophète. Moi, na moto. Ezaki mosakol. Fais banam dit dans le procès. Ndeko banam alobi kanalité ya kosambisa. Paragraphe 123. Et dans la sango mokama na tukumbale na. Il appelait tous les prophètes fils de l'homme. Abenga ki basakol nyo sote bana na bato. Un prophète est appelé fils de l'homme. Mosakoli, abiangami mwana na moto. Dans les Christ identifié dans tous les âges. Na Kristo oyo atalsami kat na bileko nyoso. Fils de l'homme est un prophète. Mwana moto. Allez, azali mosakoli. Donc, confirmant sa parole. Kana ko confirmant sa parole. Kotal sakato kokoki sakali lobanai. Paragraphe 127. Etena sango mokama tukumba na sango. Il dit, fils de l'homme, c'est un prophète. Abi mwana moto, elali mosakoli. Mais il faut faire la différence entre un fils de l'homme. Kasi esengeli kosala bokeseni kat na mwana moko na moto. Un prophète, mosakoli. Et le fils de l'homme. Na mwana yango penza na moto. Le prophète Dieu. Mosakoli Nzambe. Le prophète Messie. Mosakoli Messia. Il dit je vous enverrai un Messie. Alobi na kotinda bino Messia moko. Amen. Amen. Comme Moïse. Local à Mosi. Vous devez croire en lui. Esengali bondi melaye. C'est dans Deutéronome 18:15. Ezalika na Deutéronome esomi na mwambe, esomi na mitano. Donc le Messie viendrait sous forme d'un homme, un prophète. Elingi kobete, Masia akoya na lolenge ya moto, mosakoli. Pourquoi? Ponanim. Mais pour discerner les pensées. Parce qu'un prophète, c'est un discerneur de pensées. Le prophète connaît les choses cachées dans votre cœur. Ou alors il n'est pas prophète. Alors un prophète peut bien manifester le fils de l'homme. Amen. Amen. Dans la plus grande nouvelle flash de l'histoire. Katna sangobeza mon nene a poisson na lisolo ya tango. Au paragraphe 48. Netena sango tukumine ina mwambe. Il dit un prophète. Abi mosakoli moko. Est-ce vrai? Eza solo. C'est quelqu'un qui discerne les pensées de cœur. Ezali moto ezali kososo ya makanisi ya motema. Un visionnaire. Azali momoni. Amen. Amen. C'est ça un prophète. Mosakolié wa. Comment on peut appeler quelqu'un prophète ça qui discerne les pensées? Ndendo ke ndokwenga moto mosakoli ko sangeta aso sola makansa motema. C'est pour cela Jésus. Ndetina yango ye. Avait besoin d'un prophète au temps de la fin. Alaki na bosenga ya mosakoli moko na tango na suka. Qu'il puisse manifester le fils de l'homme. Po akoka komonisa mwana yango na moto. Amen. Amen. Et un prophète c'est un réflecteur de Dieu. Pemo sakoli azali motalisi ya nzambe. Et frère madame dit le prophète ne se reflète pas lui-même. Ndeko bona mabie te mo sakoli ami amitel sakaye mo côté. Non, il reflète Dieu. Atali sakande nzambe. Un prophète c'est un vase choisi par Dieu. Mo sakoli azali mbeko yo nzambe aponi. S'il est en ligne directe avec cette réflexion. So ki asem atelemi semba. Dieu Nzambe pour refléter l'image de Christ. Po akoka kotalisa
la parole. Vous voyez, rien d'autre que de le faire. Vous êtes un réflecteur. C'est la raison pour laquelle le prophète devait manger le livre. Il devait manger le rouleau. Il devait refléter la parole de son âme. Lui-même n'est pas la réflexion. Mais il reflète quelqu'un d'autre. Mais Jésus était la plénitude de Dieu. Il était là, Dieu lui-même marchant sur la terre. Et les prophètes ont une portion de Dieu. La parole pour leur âge. Je crois que vous me comprenez très bien. C'est clair. Le Fils de l'homme. Jésus-Christ. Viendra dans la chair humaine. Il va réunir les deux ensemble. L'Esprit de Dieu et l'épouse de Jésus-Christ au temps de la fin. Ils deviendront un. Bakokoma moko. Je crois que vous me suivez très bien. Je vais lire dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 18 mars 64. Observez le messager prêchant là-bas la repentance. Et ensuite, en veillant leurs yeux par l'évangile. Et il y avait les appelés hors d'eux. L'église élue. Qui montra le signe que Dieu était dans la chair. Oyo, batalisaki elembo. Qui montra le signe que Dieu était dans la chair? Les appelés hors d'eux. L'église élue. Montra le signe que Dieu était dans la chair. Jésus était Dieu dans la chair. Si Jésus est en vous ce soir. Est-ce que Jésus est en vous ce soir? C'est encore Dieu. Se manifestant dans les derniers jours. Le Fils de l'homme. Se révéla dans son église. La chair humaine. Se faisant connaître. Le saisissez-vous? Voyez-vous, Dieu descendant ici dans son église, se faisant de nouveau la parole. Le Fils de l'homme se révélant dans les derniers jours comme il était au jour de Sodome. Oh là là, c'est trop clair. Esali polele koleka. C'est trop clair. Esali polele koleka. Quand je lisais ça aujourd'hui dans la maison, j'ai dit oh Dieu. Nalobi, oh Nzambe. Ça me fait trembler. Esako lengi sangai. J'ai peur. Nazo banga. J'ai peur. Nazali Kobang. Dieu. Nzambe. Veut se manifester à travers moi. Aliki komi monisa nanzanangai. J'ai peur. Nazobang. Dieu veut se manifester à travers toi. Nzambe aliki komi monisa nanzela na yo. C'est tellement grand. Ezali monene koleka. C'est tellement grand. Ezali monene koleka. Nous devons être humbles.
Ce que Dieu nous a donné dans cet âge est tellement grand. Vous ne voyez pas? C'est pour cela qu'on prend ça, on donne tout à Frère Branham. Ils sont en train de fuir leurs responsabilités. Quand Dieu dit quelque chose, personne ne peut l'enlever. Frère Branham dit dans l'adoration, le lieu d'adoration pourvu par Dieu. Il dit Alléluia. C'est le paragraphe 239. Il dit je défie l'auditoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous pouviez. Il dit ne pouvez-vous pas voir le Fils de l'homme? Dans la forme d'un message prophétique. Revenu de nouveau dans son église. Révélant Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela n'a jamais été fait à travers les âges. Jusqu'à ce temps. Voyez-vous. En voilà les preuves. Donc Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit un message viendrait. Pour ramener les gens au message original. Avec les mêmes bénédictions qu'ils avaient eues là-bas en ce jour-là. Qu'est-ce? C'est l'aigle à deux aigles. À deux ailes. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Mettons cela ensemble. Les promesses de Dieu pour accomplir ce que les promesses de la Bible ont dit qu'il ferait. Et écrit Amen. Amen. Dieu vous l'accorde. Croyez. Le Fils de l'homme. Luc 17:30. C'est pour confirmer la totalité des promesses qui se trouvent dans la Bible. Il vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts pour vous éloigner de l'incrédulité? Allez, continuons. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est un secret. Ezali sekele. Ah, Frère Baruti. Oh, Ndeko Baruti. Comment est-ce que ces choses se font? Ndenge makamango eliko salima. Dans ton ministère. Ndenge makambo ko sama bona mosano akote. Je suis en train de vous lire ça ici. Ngai nazotangela bino ngo awu. Il y a eu un groupe élu qu'Abraham avait. Et chacun d'eux a reçu un signe. Ayambaki elembo. Chacun d'eux. Moko moko na bango. Maintenant, je crois que le signe que fit l'ange du Seigneur manifester la chair là-bas était le signe de la manifestation de Christ
dans son église. Dans les derniers jours. Ah. Et c'est moi qui lis mal. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Je vais vous donner la citation. Ne crains pas. C'est moi. Jean 17. Il y a eu un groupe élu qu'Abraham avait. Les appelés ordre. Et chacun d'eux a reçu un signe. Maintenant, je crois que le signe que fit l'ange du Seigneur manifestait la chair là-bas. Était le signe de la manifestation de Christ dans son église dans les derniers jours. Ezalaki elembo ya komonisama na Christo na kati na eklesia na ye na mikolo na suka. Jésus a dit, Yesu alobaki, Jean 14 12, Yohane zomi na mine zomi, les œuvres que je fais misala oyo ngai na sali, vous les ferez aussi. Bino pe boko sala yango. Il a dit aussi, alobi pe lisusu, encore un peu de temps na moi tango moke, et le monde ne me verra plus. Ba mokili ba komona ngai lisusu, mais vous, vous me verrez. L'église, Ecclesia, les croyants, bandimi, les appelés hors d'eux, les élus, baponami, car poète, je, ngai, je, ngai, non pas quelqu'un d'autre, mais je, kasi ngai, pour nos personnels, et bien que nous, je serai avec vous, na koza elongo na bino, même en vous, ata kutu kati na bino, jusqu'à la fin du monde. Kino na suka na mokili. Hébreux 13, 8. Bible les hommes na misato mwambe. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ozali ndenge moko lobi leki lelo pe libena libela. Alors s'il est le même aujourd'hui, na bo esuka za ndenge moko lelo, comme il le fit en ce temps-là, ndenga zalaka na tango wana, il est le même sauveur, azalika mobiki si, le même guérisseur, le même souverain sacrificateur, le même Seigneur. Il est exactement comme il fut en ce temps-là. Seulement, au lieu d'être dans un corps, un corps physique, Dieu vit dans son église. Votre corps, mon corps, qu'il a sanctifié avec son propre sang, afin qu'il puisse nous purifier par le lavage d'eau de la parole, et nous présenter à Dieu une église sans tache ni ride ni rien de semblable. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ces signes suivront ceux qui croient. Le surnaturel. Ah, frère Nassimbi, hein? Oh, mais le frère a touché au fétiche, hein? Oui, Nassimbi, message temps de la fin. Oui, moi j'ai touché au message du temps de la fin. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que le prophète peut nous mentir? Est-ce qu'ici il parle de l'église? Oui. Est-ce qu'il parle de l'église du temps de la fin? Oui. Je peux vous donner 500 citations. Croyez à cela. Et Dieu se manifestera.
Mes frères, dans ce temps de la fin, na tango oyasuka, le grain de blé qui était tombé, kona na lisangu oyekoyaki, de Jean 12, ya Yohanes onembali, a produit William Marion Branham. Et Bimisi, et Poti William Marion Branham. Quand vous semez, tango yo okoni. Et quand ça produit, par exemple, les arachides, ça produit une seule. Un seul grain. Vous semez une mangue. Et vous voyez votre mangue sortir une seule mangue. Allez, vous allez crier sorcellerie. Quand ce grain là tombe à terre, tango mbumawane kwina mabele, et il pousse et kotoya par la justification. Na kolonga za bana masumu. Le grain donne des brins. Et bimisi matiti. Moi, mbitapi. Et puis les grains, c'est la sanctification. Sima, et comme il m'a moi, fololo, kobuli sama. Et puis le baptême du Saint-Esprit, la balle. Sima, libata moni monsantu, poso. Mais à l'intérieur, kasina katia poso. Il viendra un temps. Quand les critiques vont frapper, les critiqueurs vont nous frapper. Et kosikana tango moko, tango batongi, bakobanda ko pesa, ko beta biso, ko beta. Quand il y aura beaucoup de soleil sur nous, tango moye belé et kobeta biso, nous allons mûrir. Ne toko komela. Alléluia. Amen. Et ça va produire beaucoup de fruits. Pe et kobota bambuma ebelé. C'est pour l'âge de la fin. Et zali pona eleko ya suka. Quelqu'un qui a compris, vous avez compris? Oui. Au temps de la fin, on n'a pas besoin de discours. Na tango na suka, tozali na bosenga ya maskulu ya pamba pamba te. On nous a promis le fils de l'homme. Balaka kibiso mwana na moto. La parole, liloba, faite chair. Oye komi nsoto. Dans l'église. Na kati na ecclesia. Est-ce qu'on a eu le prophète William Branham? Oui. Est-ce qu'il a manifesté Jésus-Christ? Oui. Est-ce qu'il a apporté le message? Oui. Mais ça doit produire. Non, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Nous voulons voir Jésus. Le grain qui était tombé à terre, mbuma, oye kweyaki na mabele, c'était Jésus. Ezalaki Yesu. On l'avait crucifié. Baba ki saki ene. Il était mort. Akufaki. Le grain que nous voulons voir ici à la fin, mbuma, oye biso tolingi tomona awa na suka, doit être Jésus. Esengele ezala Yesu. Jésus-Christ le même avec Pierre. Yesu Christo. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus-Christ le même avec Paul. L'habit qui avait touché Paul guérissait les malades. Jésus-Christ le même avec Branham. Et Jésus-Christ le même avec son épouse. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 90. 90, spécial 1962. Maintenant, Sikoyo, il envoie le messager Aliko tinda, motinda, à l'église élue. Na ecclesia, moponami. Vous connaissez le messager? Boyebi motinda, c'est qui? Elinani. C'est le prophète. Ezali mosakoli. Les élus pentecôtistes. Baponami, bapentecôtistes. Les appelés hors d'eux. Babianga milibanana. Non pas là dehors. Kuna na libanda te. Le messager ne parle pas dehors. Moti nami a zaliko ke na libanda. Dans l'église dominale. Na ecclesia oya kombo. Mais dans l'église élue. Kasi azaliko yana ecclesia oye ponami. Amen. Amen.
Et l'église en elle-même est trop de suspension. Peu ecclesia katina yango moko ezali asilicité. Le Saint-Esprit. Molimo mosan. Cette église a le Saint-Esprit. Ecclesia wana azalina molimo mosan. Ce mouvement azali ko dans l'église. Na katina ecclesia. Mais c'est ce qui accomplit les œuvres. Mais il y a un monde d'Ezali qu'on sala, qu'on sala misala. Qui accomplit les œuvres? Non, 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 ça misala. Le Saint-Esprit. Ezali moli mon santo. Ce mouvement de l'Église. Tambo la nakati l'Église. Frère. Ndeko. Baba monsieur le Seigneur Boukaniao. Il y a d'autres bons qui sont chakassés ici. Le Saint-Esprit se mouvoir dans l'Église. Moli mon santo qu'on punga, qu'on tambo la tambola. C'est ce qui accomplit les œuvres. Il y a un Ezali qu'on sala misala. Oui. Iyo. Ce n'est pas ce corps de chair. Probablement qu'il disparut. Mais c'était Dieu dans cette chair là. Kasi. Et là qu'il nzambe na kati na nzoto wana. Ya linzoto ni mwa kate. Mais c'était Dieu dans cette chair là. Mais là qu'il nzambe kati na nzoto wana. Ce n'est pas la mort de terre qui faisait le miracle. Atatango. Yes, I am here. Moko. I am here. 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 Non, non, non. Mais à l'intérieur, il y avait Dieu. Nzambe azalaki. Non, pas, c'était pas ce corps-là. Ezalaki nzoto wana te. Probablement qu'il disparut. Oyo, eyaki pe limwaki. Mais c'était Dieu dans cette chair-là. Kasi ezalaki nzambe na kati na nzoto wana. Mais frère Banam, qu'est-ce que cela montrait? Ndeko Banam. Montrant que Dieu habiterait de nouveau dans la chair rachetée de son épouse, de son église. Nzambe akobi kalisusu kati na nzoto o esike esikolami ya mwasi na libala na ye ya ecclesia na ye. Dans les derniers jours. Na mikolo na suka. Pas au premier âge. Na eleko na ebandelite. Pas dans le deuxième. Na eleko ya mi balete. Dans les derniers jours. Na mikolo yesu. Et accomplirait les mêmes signes. Mpe ete akosala bilembo ndenge moko. Comme il en fut au jour de Sodome. Ndenge asalaka ango na mikolo. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ekozala pe bongo na boyei na mwana na moto. Frère Branham crie Alléluia. Eko bana makangi. Abi Alléluia. Vous y êtes. Bokomi na yango. Bokomi esika wana. Bokomi esika. Bokomi. Vous y êtes. Bokomi esika yango. Jésus-Christ. Yesu Christ. Le même hier. Wazali ndenge moko. Aujourd'hui. Lelo. Éternellement. Pe libera libera. Monsieur. Buta muntu. Nous voudrions voir Jésus. Bisoto lingi tomona nde Yesu. Oh, certainement que voulez-vous voir? La manifestation de la parole. Je vous avais donné déjà ça. Je donne encore. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Prêché à Port Alberni. Et terminé à Port Alberni. Le 24/7/1962, paragraphe 90, paragraphe 90. Vous voulez voir un homme? Nous voulons voir Jésus. Nous allons avoir assez avec la théologie. Dieu ne confirmera jamais la théologie. Dieu confirme ça. Nzambe a tato la kalilo bana ye. Ah Jésus. Oh yes. Elohim et aïe. Nous voudrions voir Jésus. Tolingi tomona yes. Prêché à Victoria. Et ami na Victoria. 1962. Paragraphe 76. 76. Maintenant les pentecôtistes sont venus. Sikoyo ba pentecôtistes bayaki. Avec les parler en langue. Na minoko nasika. Les interprétations ainsi de suite. Na ba ndimba na minoko pe bongo na bongo. Et ils avaient toutes sortes de miracles. Pe bazalaki na makamu ici ya ndenge na ndenge. Mais kasi. Souvenez-vous,
Nous voici. Tala sikoyo to. Nous sommes à la fin de l'art. Tokomi na suka na ele. Juste avant que le feu ne tombe. Penza liboso ete moto ekoya. Monsieur, Mbutamun. Nous voulions voir. Tolingi tomona. Il est le même hier. Aujourd'hui, lelo. Éternellement. Pe libena libela. Que devriez-vous voir? Elo koni ne singa kibino komona. Ah, Ndekomaname, laisse-nous. Que devriez-vous voir? Nini esengala kibino komona. Cette vie Bomoywa. Qui était en Christ, oui, zala kikana na Christo. Serait dans son église. Kozala na kati na eklesia na ye. Voyez-vous? Bomoni yango. Dieu. Nzambe. Cet homme-là était Dieu. Mopali wana zala ki nzambe. Représentait lui-même dans la chair humaine. Sous la forme humaine. Na lolenge ya moto. Aujourd'hui, lelo, Dieu Nzambe se représente lui-même dans la chair humaine de son église. Parlant en langue. Aujourd'hui, lelo, Dieu se représente lui-même dans la chair humaine de son église. Nzambe azali komitelsa ye moko na nzoto na moto ya eklesia na ye. Oh Jésus. Parlant en langue. Koloba monoko na sika. Non 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 non. Je reprends. Nazozongela ngo. Non 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 non. Je reprends. Nazali kozongela. Aujourd'hui, lelo, Dieu Nzambe se représente lui-même. Azali komitelsa ye moko. Dans la chair humaine de son église. Na nzoto na moto ya eklesia na ye. Dieu Nzambe, le Saint-Esprit, Boni mon Saint, dans son église, na kati n'eklesia na ye, se mouvant kotambola, à travers son église, na kati n'eklesia na ye, je ne peux pas laisser ça. Na koko tika ngote. Se mouvant kotambola, aïe. Se mouvant koningana, aïe. Dans son église, na kati n'eklesia na ye. Ah. Parlant en langue. Koloba minokonasika. Guérissant les malades. Kobikisa babeli. Et ensuite le dernier signe. Pena suka elembo ya suka. La parole tellement manifestée. Liloba komunisa mabongo. Qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Na lolengete ezali kosusula makanisi pe ba mposa ya mitema. Combien comprennent cela? Batoboni basosoli yango. Combien croient que c'est la vérité? Batoboni bandimia tezali solo. Prions. C'est pas moi, c'est Branham qui prie. Ezangaite ndeko bana menda zobondela. Est-ce que c'est clair? Ezali polele. Je me sens très bien. Ngai nazali komio kama lamu. Est-ce que la promesse est accomplie? Et la oui. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son messager. Et le messager nous a apporté la parole. Il nous a apporté les deux pluies à la fois. La pluie de la parole. Et la pluie de quoi encore? De la moisson. Il y a une pluie qui vient avant. Quand vous semez, la pluie vient. Non, au koni. Tango yo koni, moi mbula moko yaka liboso. Ah. Hein? Pluie dans ses mansements. Mbula oya kokona nango. Et à la fin, nasuka. Il y a aussi la pluie de la moisson. Ezabe na mbula mususu. Oyo mais le prophète William Branham a amené les deux pluies à la fois. Amen. 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 La mécanique et ça les lit. Et la dynamique. Non, moto na kosale les salili. Oh, nous attendons jusqu'à ce que l'autre pluie viendra. C'est déjà tombé. Oh, tozali kozela kino mbulana mususu konoka. Et si enoki. Hein, frère Ngobo. Hein, de Ngobo. La dynamique est tombée aussi. Nguya pe kiti.
C'est déjà tombé, mes frères. Et le message. Nasango. Naliloba. Et la puissance de Dieu. Sont maintenant ensemble. Et si et combien si Kamoko. L'épouse. Moi si Naliban. Et son époux. Namoba Naliban. Sont devenus. Ah. Basi Bakomi Moko. Normalement, les dénominations doivent trembler. Je vous dis la vérité. Je crois que c'est tellement clair. Mais il y a un esprit qui circule dans ce message. Oyo ezali ko tambola. Et ça va séduire plusieurs. Qui fait croire aux gens que aujourd'hui Jésus est venu lui-même dans la chair de frère Branham. Et lelo Yesu aye yemoko na kana nzoto na ndeko Branham. Non. 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 Frère Branham est dans le corps mystique du Seigneur Jésus. C'est notre frère. Frère Branham, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Il dit oui, parce que Baruti. À l'époque des gens, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Mais il le déclara et le nia pas. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète les derniers jours aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs qui leur fera croire cela. Mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un frère. Un prophète. Il est un frère. Un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu quand il était la voix qui criait. Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Frère Branham n'est pas le Christ, mais le Christ vient après lui. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Aimant les gens. Pardonnant les gens. Supportant les gens. Ce Jésus-là doit être dans le cœur. Pas seulement dans la bouche, mais dans le cœur. Pour que nous puissions être exposés partout que nous sommes enfants de Dieu. Nous voudrions voir Jésus se manifestant dans ma soeur, dans mon frère, dans tout le monde. Et quand nous serons ensemble, Jésus sera glorifié. Il sera magnifié. Qui a vu Jésus dans son cœur? Qui a constaté Jésus dans son cœur? C'est Jésus
doit nous accompagner partout dans nos maisons. Un Jésus réel. Pas un Jésus imaginaire. Un Jésus réel. Un Jésus qui transforme. Un Jésus qui manifeste sa puissance. Un Jésus qui se manifeste partout. Un cantique comme ça, chacun va dire quelque chose au Seigneur. Un Jésus vivant. Pas un Jésus qui est comme Branham. Branham aussi. Ça, c'est un faux Jésus. Le Jésus qui était dans Branham. C'est un Jésus.